Un tag, donc on est avec Elsa encore et donc c'est le tag Tampons préféré de Little Pony. Donc on va commencer donc avec la première question. Comment s'appelle ton poney préféré? Nail Pops. Neko. Daiki. Normalement c'est Melchior, mais bon voilà. Décris ton poney préféré. Bah il est blanc, des fois il a des taches. Il a pas trop de race, il est croisé avec un peu vraiment pas trop de race. Et 1m30, je pense. 35. Je sais pas trop. Alors Neko, comme Yel Pops, il est blanc, il est un peu truité, semi-truité quoi. On sait pas trop. Après, ouais, tout le temps, il est jaune partout, c'est hyper chiant parce qu'il se roule et tout. Et il fait à peu près 1m45, ouais. 50, ouais. Daiki, il est pipalomino, il a les yeux verrons et il doit faire 1m30 ou un truc comme ça. Poney, double poney ou cheval? Double poney. Quelles sont ses qualités? Alors, à la tâche, moi, enfin, il bouge pas, moi, il est pareil, mignon. Pareil. Ouais, Neko, il est hyper gentil. Après, en dressage, il se met souvent sur la main et tout. Et en saut, il sautera tout. Bah, moi, pareil, il bouge pas à la tâche, il est gentil. Il est mignon. Il est sociable. Oui, voilà, moi, il fait des câlins, il est mignon. Et ah mais c'est monté. Ah ben on dirait un Shetland quand on le monte, du coup c'est rigolo et j'aime bien. Et là il s'est amélioré, il se met sur la main, du coup c'est cool. Quand d'autres personnes... Non, c'est défaut. Ah, c'est défaut. C'est défaut. Alors c'est défaut, Neko, quand on le prend en longe, il veut pas avancer, il est hyper chiant parce qu'il va pas vite. Par contre en obstacle, il va hyper vite, c'est hyper chiant, il va hyper vite quoi. Et après en dressage, franchement il a pas du tout de défaut, il est hyper bien. Moi il a tendance à dérober quand il y a des soubassements. Mais je le sors quand même normalement en concours en mars. Je suis trop hâte. Et moi il a tendance à mordre et faire tomber les autres. Donc du coup il n'y a plus personne, beaucoup de grand monde qui l'aime. Donc il y a un petit peu plus de personnes qui le détestent. Donc voilà, mais sinon il est tout mignon. Voilà. Ouais. Quand d'autres personnes aiment ou montent ton poney préféré, tu dis quoi? Es-tu jalouse? Ah, je déteste, surtout quand ils arrivent et qu'ils font « Ouais, mon poney, il est trop mignon !» Je déteste ça, c'est horrible. Exactement. On a envie de les taper. Nous deux, on est pareil. Après, toi, il n'y a personne qui aime ton poney. Mais, Donc t'es tranquille, mais non. Mais après, quand ils montent, c'est pas grave, mais quand ils commencent à trop l'aimer et tout, frère, il y en a plein des poneys, quoi. J'avoue, il est comme par hasard. Ouais. Ah, mais c'est nous, si, chaque fois que t'aimes un poney, cette personne aime ton poney, c'est horrible. Ils te volent tout le temps ton poney, c'est horrible. Ensuite, ben, nous on est que deux sur Daiki donc ça va. Attends. Pourquoi lui et pas un autre? Oui. Parce que c'est déjà le premier que j'ai monté. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Avant on se le disputait son poney. J'avoue. Voilà, et moi je le connais depuis longtemps, du coup je me suis plus attachée à lui qu'aux autres. Moi franchement j'en avais essayé plusieurs, ils étaient pas forcément ouf quoi. À part Amiel Pops au début. Hein. Puis après j'ai monté Neko, c'était pas ouf non plus. Et puis au bout d'un moment, ça a été. Ça s'est fait comme ça. Ouais, ouais. 9. Non, 8. Putain, j'arrive plus à compter. Décris la relation qui vous unit. Oh, ben, on n'est pas forcément très très complices. Non, parce qu'on se connaît pas depuis longtemps, quoi, voilà. Mais quand on le montre, ça va, franchement, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Mais après, cet été, on va essayer de mieux s'entendre. Ouais, on va aller sortir et tout, tout le temps, tous les jours presque. Et Daiki, ben, il vient, il fait des câlins et je lui ai pris le tour du bisou aussi, du coup il est mignon. Voilà. Il porte ton propre équipement ou celui du club? Quand on a nos tapis, mais sinon... Ouais, nos tapis, nos guêtres. Et sinon, au club, tu sais, le tapis noir, ben, je l'ai choisi pour Daiki. Genre à chaque fois qu'il est pas sur la scène à Daiki, ouais, ben, je remets sur club, quoi. Oui, mais bon, je l'ai choisi, donc ça va. Ouais, ouais. euh,
Si un jour il vient à partir, comment tu as réagi mal? Je serais très très triste. Bah ouais, c'est hyper triste quoi. Bon, après c'est la vie, on demande des nouvelles et tout. Ouais, bon. Voilà, on essaierait de se renseigner tout le temps quoi. Même de passer les voir en fait. Attends, c'est quelle question là? Ah oui, je prends des nouvelles régulièrement. Enfin, pour avoir des nouvelles, pour... Ouais, c'est ce que je viens de dire, quoi. Ouais, comme avec les poneys Mocha, Nikita, Fanjo et tout. As-tu déjà réalisé un rêve avec lui? Pas encore. Non, mais c'est prévu. Bah si, je suis contente parce qu'on va bientôt sortir le concours. Mais c'est ton rêve, rêve. Non, non. Non, mais je suis contente. Non, c'est prévu. As-tu déjà gagné quelque chose avec lui? Alors, Nico, pas encore. Bientôt, on espère. Ouais, pas encore. Toi, c'est très très mal passé, le concours interne. C'était drôle, mais bon, pas trop. Hein. Et le concours interne avec Daiki sur une 40 cm, on a été 3e. Voilà. Crois-tu un jour pouvoir le détester? Alors, non. Non. Bah, sinon, bah, non. J'aurais déjà détesté avant. Peut-être si un jour on passe à un autre cheval avec un plus gros niveau. Oui, on l'aimera moins. Ouais, mais voilà. Mais le détester, non. Sachant que même. Alors qu'il dérobe déjà, donc c'est pas parce qu'il va me dérober une fois que je vais plus l'aimer. Voilà. Sinon, comme vous avez pu le remarquer, on a changé le nom de la chaîne. Donc ça s'appelle Equifun. Et on a aussi mis, comme vous avez pu le voir avant, une intro. Introduction. Donc on espère que ça vous plaira, voilà, et puis c'est fini. On espère que vous avez aimé. Et il y a un bêtisier qui arrive dans pas longtemps. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est le terme. C'est le terme. Voilà, on vous fait de gros bisous et à la prochaine. Bye.